Célébration du nouvel an dans une traditionnelle ambiance de gaieté dans les rues et quartiers. À Yopougon, après le culte, les populations restent en éveil pour accueillir la nouvelle année. Nous sommes allés dire merci au Seigneur pour cette nouvelle année et nous pensons que nous avons encore des années à vivre. Je suis allé me promener, j'ai mangé un poisson et j'ai bu. C'est ma manière à moi de célébrer la nouvelle année. À Abobo, même ferveur. Chants et bruits de pétards sont au rendez-vous. Au quartier Samaké, Muammar et ses amis fêtent la nouvelle année à leur façon. Il dit « Alhamdoulilah, ça va. Dieu m'a permis de voir l'année 2014. Minute, une minute, ce n'est pas donné à tout le monde. On reste en famille, on rentre dans la nouvelle année avec la santé. Je ne vais pas aller me saouler la gueule. Rentrer avec les courbatures, peut-être mon bien est déformé, on m'a agressé. Je ne vais pas rentrer avec une mauvaise humeur. Donc je reste entre amis, en train de boire du thé naturel. Bon, on est là jusqu'à 5h du matin. On a choisi d'être ici, comme ça, dans un grain, voilà, pour se distraire au lieu d'aller dans les bars. Bon, en tout cas, ici, on se sent à l'aise, on s'amuse aussi. Moment de communion. Parents, enfants et amis ont célébré la nouvelle année dans la cohésion et la fraternité. 2013 se referme, une nouvelle page s'ouvre avec l'année 2014, les populations souhaitent la paix en Côte d'Ivoire avec beaucoup de bonheur aux Ivoiriens.